Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un tabac très particulier, Dan Tobacco. C'est une marque quand même très célèbre, une marque bien sûr haut de gamme. Et ce tabac, il m'a vraiment été fortement conseillé par la personne qui me l'a envoyé, en l'occurrence Pierre. Merci encore, nous avons communiqué très récemment. Pierre, peu importe d'ailleurs la date de parution de cette vidéo, mais au moment où j'enregistre, nous sommes fin octobre 2024 et nous avons communiqué récemment, plus ou moins à ce sujet. Alors, voyons déjà ce que ça donne à froid. Alors, je vous présente quand même ce que j'ai préparé dans ma blague qui m'avait été envoyée par Armel. Donc, voici l'échantillon de Paibo Dan Tobacco, comment il se présente. Là, j'ai mis mon petit matériel. Voilà. Deux briquets au cas où il y en a un qui me lâche. Et puis, bien sûr, la pipe que j'avais achetée il n'y a pas longtemps chez pipe.fr. Très belle, j'aime beaucoup. Bud Choquin 2004. Alors, regardez ce beau mélange de Black Cavendish Virginie. Voilà. Alors, j'ai l'impression quand même qu'on a trois teintes différentes. Donc, ça, comme d'habitude, on l'enlève. On a vraiment le Black Cavendish, donc le plus foncé. Et on a du... Je pense quand même que c'est du Black Cavendish, mais c'est bizarre parce que on dirait... Donc là, le Virginie, c'est évidemment celui-ci. Le plus clair. Toujours le mélange plus clair de toute façon avec l'objectif de la caméra. Mais c'est vraiment d'un beau brun avec des petites touches, on va dire ici marron clair. C'est vraiment très beau. Et alors, il sent très bon. Là, même en plein air, c'est un truc, waouh, c'est vraiment très agréable. Alors, les brins tendent plus vers la sécheresse, mais restent souples hein, quand même. Et là, on a une odeur fruitée et sucrée quand même, ouais. Très, très significative, très agréable. Et là, on sent tout de suite que c'est de la bonne qualité. Dan Tobacco, de toute façon, c'est une excellente marque. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de faire sécher, en fait, hein, ce tabac. Apparemment, puisque, voilà, il est assez sec. Il était dans cet échantillon bien fermé. D'ailleurs, je vais remettre ça dans, vous voyez, la blague. Et on va pouvoir bourrer directement. Comme d'habitude, c'est très agréable. Hein, je conseille quand même aux débutants. Et un clin d'œil à Dominique hein, du travail qui regarde mes vidéos. Et je ne lui ai pas dit ça, mais c'est vrai que c'est quand même bien de toucher les brins. Vous voyez, dans la plupart de mes revues, moi j'aime bien toucher les brins. Bien. On a un contact visuel, on a un contact au toucher, on a un contact avec l'odeur et on aura ensuite un contact avec le goût une fois la pipe allumée et avec l'odeur de la fumée qui peut être plus ou moins différente de l'odeur à froid. Donc vraiment un beau tabac avec ses petites touches claires comme ça, c'est vraiment très très joli. Et alors difficile de dire si on a aussi, alors, orange. Oui, l'orange, on l'a très nettement. La mandarine aussi. Hein. Après, dire qu'il y a de la vanille, là, c'est un peu plus difficile quand même. Hein. Alors, je vais essayer de procéder au bourrage délicatement. Vous voyez, je mets une petite couche, je nivelle.
Alors c'est intéressant aussi de d'aspirer à froid. Ce qu'il faudrait même faire, c'est vraiment aspirer systématiquement, vérifier le tirage à froid, à vide. Ok, là je pense que ça devrait aller, je l'espère tout au moins. Je vais laisser un petit peu quand même, comme d'habitude, entre le haut de la surface du tabac et le haut de la chambre. Je rappelle que cette pipe est préculottée. Alors, après un premier contact avec les brins, nous allons commencer à aspirer à froid. Alors là, vraiment, c'est génial. Ce qu'on ressent en bouche, c'est ouais, le mélange orange-mandarine, ça sent très bien. C'est très agréable. Alors, prenez le temps de faire ça avant d'allumer. Prenez le temps d'aspirer à froid une fois la pipe bourrée. Et vous allez commencer à sentir des saveurs. Ne vous précipitez pas sur l'allumage. Et moi, ce sont des choses que j'ai découvertes, je vous l'ai dit avec ma sensibilité, parce que ce sont des choses que j'ai découvertes avec l'expérience. Pour ainsi dire, jamais personne ne m'a dit qu'il fallait faire comme ci ou comme ça. Mais avec l'expérience, sans forcément le faire intentionnellement, j'ai remarqué effectivement que la plupart du temps, on a des saveurs en bouche qui commencent déjà à arriver quand on aspire à froid une fois la pipe bourrée. Alors vous avez vu le bourrage que j'ai fait. J'espère qu'il est réussi. Toujours ma faiblesse, le bourrage. Allons-y, puisque nous sommes dehors. Briquet. Les cendres gonflent bien. Oh là là. C'est très doux. Ça s'allume bien. Dans la fumée, on sent beaucoup l'agrume. La mandarine est très présente et distincte, vraiment. Une fois de plus, ça prouve que Dan Tobacco est une grande marque, hein, parce que là, c'est très clair. Oh. Alors, à mon avis, dans une pièce, en room note, ça doit être extraordinaire pour l'entourage. Alors, combustion très aisée, pas de propension à l'extinction. Et vous le voyez, fumée généreuse. En bouche, on a énormément également un goût aromatique. Oh, la mandarine, c'est incroyable. Elle est criante. Elle se manifeste avec autorité et délicatesse en même temps. La fumée généreuse, et en fait, franchement, il faudrait que j'essaye quand même
plus délicatement, mais à peine on tire ou à peine on émet un petit souffle, que vraiment la fumée arrive là et ça a une odeur délicieuse d'orange et de mandarine mêlées qui se sentent bien, hein. Personnellement, mon nez distingue davantage la mandarine, mais effectivement, il n'y a pas que ça. Alors, j'ai toujours un peu de mal à distinguer la vanille dans des mélanges vanille-fruits. Je sais pas pourquoi. C'est censé peut-être enrober, adoucir le côté relativement acide et potentiellement âpre des agrumes, surtout avec de la vanille sucrée. Si vraiment ils ont rajouté une sorte de sucre, mais on a vraiment une odeur d'agrumes vraiment très plaisante, très distincte. J'ai pas encore parlé du goût, enfin vaguement. Moi, je trouve qu'il y a ce mélange de tabac Black Cavendish Virginie qui se mêle assez harmonieusement aux arômes qui me paraissent quand même dominants en bouche. Et à première vue, on ne peut pas dire que ce soit un tabac qui se consomme vite. C'est très agréable, vraiment. C'est assez constant. On a quand même un petit grattement, mais léger, un petit grattement de gorge, dû, je pense, aux arômes agrumeux. Les arômes d'agrumes restant bien sûr forcément acides et potentiellement âpres, comme je le disais tout à l'heure. Alors stable, mais là il est possible que je commence à sentir la vanille. J'ai des effluves effectivement un peu différentes qui viennent davantage, on va dire, caresser mon odorat par une certaine suavité, un certain moelleux. Et cet arôme vanille que j'ai pris l'habitude maintenant de sentir, repérer, reconnaître à travers mon passif de fumeur de pipe depuis que je me suis remis à fumer, c'est-à-dire peu avant que j'ai commencé ma chaîne. Il est évolutif, il est agréable. Cette légère âpreté n'est pas à proprement parler gênante, mais quelque part, ça lui donne de la personnalité et pour le coup, ben, on n'a pas l'impression de ne rien fumer, hein. Sinon, peut-être qu'il serait trop doux. Là, il est doux. Très doux, doux pour moi au fumage. Et évidemment, pas d'irritation au nez, pas d'irritation aux yeux. Il se laisse apprécier, vraiment. Vraiment, c'est très agréable. Alors, comme je n'avais pas grand-chose à boisson chaude, j'ai pris une boisson citronnée, donc ça complète orange et mandarine. Ça fait même ton sur ton, quasiment. Ça va bien en tout cas ensemble. Alors, je trouve que vraiment fumer la pipe, surtout là dans la nature, hein, c'est super agréable. Ça offre vraiment un maintien de soi, un maintien de la personne. Je trouve que quand on fume la pipe comme ça, tranquillement, on est bien. On est dans un état un peu différent de l'état de veille conscient où on fait fonctionner, on va dire, son cerveau gauche à analyser les choses, à planifier ce qu'on a à faire, à être dans les tâches
relativement organisé et rigoureux. En tout cas, c'est mon cas, c'est ce que j'essaie de faire, plus ou moins. Oui, il y a des fois, je m'éparpille un peu, mais en général, j'aime bien être organisé et pour arriver à mes fins. Eh bien, je trouve que par rapport à ces états-là, où on est très occupé, où on a tendance à courir après le temps, vous me comprenez. Moi, j'habite en province, mais je travaille en région parisienne. Et je vois bien, en prenant les transports, effectivement, qu'on a tendance quand même à, si l'on y prend garde, peu ou prou, à se laisser aller à un certain rythme soutenu quand même. Parce que malgré soi, on est obligé de courir après le temps, après les trains pour ne pas les rater, etc. Plus parfois les conditions de travail qui ne sont pas toujours paisibles, hein, loin s'en faut. Et là, je trouve que on a un moment très agréable où on peut se poser, poser le corps et l'esprit dans une posture qui prête justement à cette accalmie physique et mentale. C'est très agréable. Là, ça m'arrive dans les yeux. Bon, c'est directement dans les yeux. C'est pas forcément très agréable comme ça avec le vent, mais non. Franchement, en bouche, là, on a plus évidemment le goût du tabac en bouche, hein, légèrement, en tout cas, légèrement davantage. Mais on a toujours ces odeurs aromatiques très flatteuses. Et là, effectivement, les agrumes se mêlent davantage à quelque chose de plus enrobant qu'est a priori la vanille. Alors Pierre, merci de m'avoir conseillé vraiment vivement ce tabac que tu m'as envoyé avec plein d'autres échantillons, parce que ben, effectivement c'est un délice. Le temps passe, il y a bien un peu plus de la moitié du bol là. Est-ce que la combustion aurait accéléré? Ah, c'est vraiment très bon. Cette acidité, cette âpreté en bouche, alors cette âcreté pour le coup, moi je préfère parler au goût en bouche d'âcreté et au nez d'âpreté. Ça vient gratter un peu les narines et la gorge est légèrement incommodée, mais c'est vraiment léger. On sent vraiment en bouche là, on sent l'agrume qui est présent mélangé au tabac. Je trouve que la room note a quelque peu évolué depuis le début du fumage et qu'elle est davantage vanillée. Donc c'est intéressant un tabac comme ça qui n'est pas trop linéaire, trop stable en saveur ressentie au goût ou à l'odeur. Alors pipe un peu plus chaude, mais très agréable à tenir en main. Cette chaleur douce, j'aime bien. Alors chaleur douce, mais plus. Très agréable. Alors aussi un point intéressant, c'est que les cendres ne volent pas vraiment. Là, elle se dépose un petit peu sur le bord. Mais ça va, je veux dire. Et puis voilà, si on verse un peu, ben non, il n'y en a pas beaucoup qui tombent en fait. Les cendres ne sont pas très fines, elles sont même assez grossières. Mais ça montre aussi, je pense en tout cas, parce que ça offre un certain confort de fumage en ce que les cendres ne volent pas tous azimuts. Ça montre donc, disais-je, que cette marque est haut de gamme. Hein. Ce tabac est haut de gamme parce que la marque l'est aussi. Hein. Oh, c'est un vrai délice pour qui aime
les odeurs comme ça des agrumes. On pourrait manger une salade de fruits avec de l'orange, de la mandarine et peut-être avec un petit peu d'extrait de vanille. Pourquoi pas un yaourt vanille par exemple. Ça irait très bien, ça j'en suis certain. C'est vraiment très très plaisant. Et surtout, je trouve que c'est un fumage, sans exagérer, qui est extraordinaire, hein, au sens strict du terme, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire vraiment, mais dans le positif, bien sûr. Oh là là, c'est un délice. Et la fumée est extrêmement généreuse. Ça fait des jolies volutes qui restent en l'air hein, quand même, mine de rien. Vous avez vu ça? Ça sort bien partout. C'est très, 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 très bon. En fait, il n'y a rien à redire de mal de ce tabac. Si ce n'est, bon, cette légère âpreté. Mais pour moi, c'est un tabac juste bien, qui se fume extrêmement facilement. Ah, c'est marrant parce que là, je vois une volute qui redescend. Elle est peut-être à 2 mètres devant moi. Si ce n'est un peu plus, 2,50 m. Et là, je pense que vraiment, les termes, on va dire intrinsèques de ce fumage, d'un point de vue aromatique, ont vraiment pris leur dimension optimum. Ça fait un moment qu'on sent de plus en plus, progressivement, d'équilibre, en fait, aromatique, avec un adoucissement des agrumes, enrobant cela par la vanille sucrée. Alors, difficile de dire qu'on a quelque chose de sucré en bouche, quand même. Oui, un peu, quand même, si. En bouche, c'est pareil, hein, les arômes, les saveurs sont équilibrés. Hein. On a une cohérence entre ce qu'on sent à froid dans l'assiette et ce qu'on sent au fumage, à l'odeur et au goût. Et ça aussi, je pense que ça montre l'extrême qualité de ce tabac. Voilà, c'est vraiment extraordinaire, vraiment. Moi, je pense que je vais pouvoir lui mettre une excellente note parce que je vois pas trop. Je ne sais pas à partir de quel critère un tabac est parfait. En tout cas, il s'approche de la perfection. Et donc, je ne vois pas pourquoi je lui enlèverais spécialement des points. Donc je vais lui mettre le maximum, je pense, à ce tabac sur l'échelle de mes goûts. Et je crois même que ça doit être une des premières fois, si ce n'est la première fois, dans toute la vie de cette chaîne, que je vais mettre le maximum, c'est-à-dire 19 sur 20. Parce que vraiment, il est extraordinaire. Il est formidable, il est exceptionnel. En tant qu'aromatique. C'est vrai que j'ai déjà eu deux, trois à l'attaquer aussi pas mal. Alors j'ai cherché Biker and Bolter. Malgré l'image, j'arrive pas trop à déterminer ce que veut dire Bolter. Biker, c'est bien sûr le motard. Hein. Alors Bolter, je comprends pas. C'est une image en fait de
comme quelqu'un qui frappe dans un ballon. En Allemagne, 24,90 € les 100 grammes. Et évidemment, un tabac qui n'est pas vendu en France, parce que Dan Tobacco n'arriverait pas à le vendre avec le système de taxes en France. Oui. Là, en plus de ça, on a vraiment un fumage qui dure longtemps et sans une évolution négative, en fait. Il y a quand même cet âcreté. Donc, 19, mais vraiment pas plus. Ouais. 19, pas plus. Parce que le maximum, je pourrais aller jusqu'à 19,5, parce que 20, la perfection, je ne sais pas si elle existe, même dans cette matière-là, même dans ce domaine-là. Mais le demi-point, oui, c'est l'âcreté en bouche. Alors, je salue également Jean-Christophe, toujours du travail, qui va discuter avec moi en même temps que Dominique de pipe, tabac à pipe et fumage de la pipe. Personne que j'apprécie beaucoup, par ailleurs, et très intéressante. Et qui attend de la pipe, lui, a en fait beaucoup, beaucoup d'authenticité, de tradition. Mais ça fait plaisir à voir des personnes comme ça. Accommoder le fumage de la pipe avec une pipe, un tabac de la même marque et quelque chose qui corresponde aussi avec une boisson alcoolisée. Quelque chose qui, en fait, plonge dans une certaine harmonie des genres. Alors, toujours ces cendres grossières. Alors, il y en a des fines, hein, évidemment. Mais vraiment, bon, là, on voit et on sent arriver la fin. Quelque chose. Je trouve que ce tabac ne ressemble à strictement aucun autre. On voit quand même qu'il a fait l'objet d'une conception très, très évoluée, hein, très avancée. Merci à tous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous donnera l'envie de l'acheter lors de votre prochain passage dans un pays frontalier à la France, si vous avez la chance de le trouver. Merci à tous et à la prochaine fois.